Lundi 16 décembre 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré au processus électoral. Vous le savez, dans sa phase actuelle, notamment en vue des élections législatives de 2020, la CENI évidemment est sur le terrain pour les opérations pratiques, opérations qui font objet de beaucoup de coulées de salive et d'encre, bien entendu. Et vous le savez, la CENI a bien entendu organisé une conférence de presse aujourd'hui même, lundi, qui a été animée par le président de l'institution, Maître Salif Kébé. Bien de questions ont été posées et beaucoup de réponses apportées. En phase justement avec l'opération sur le terrain, nous lui donnons la parole sur les mêmes sujets. Et ici, il nous reçoit dans ses locaux, Maître Salif Kébé, président de la CENI. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici. Je vous remercie. Merci de la disponibilité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le processus électoral est en cours et les actions sur le terrain ont fait objet de beaucoup de commentaires jusque-là. C'est vrai que rarement vous prenez la parole, mais vous avez décidé de la prendre aujourd'hui, lundi, à travers une conférence de presse. Ici, pratiquement, nous revenons sur les mêmes sujets qui ont été posés. Le premier, c'est d'abord, est-ce que les 26 jours qui ont été donc proposés pour l'enrôlement vont connaître une sorte de rallonge? Il se trouve qu'au cours de la conférence de presse, vous avez dit non. Depuis donc dans la matinée, ça va dans tous les sens. Tout le monde fait, il va de son commentaire et de sa chapelle. Alors, pourquoi on ne peut pas observer une rallonge pour l'enrôlement des électeurs? Merci bien, Ouri. Pour demander pourquoi on ne va pas rallonger le temps d'enrôlement, il faut savoir qu'est-ce qui a déterminé la CENI à faire ce temps d'enrôlement de 25 jours, au lieu de 26 jours. Il y a eu, globalement, dans la révision, deux périodes que nous avons définies. La première période, c'était la période d'identification de chaque électeur, issue de la recommandation de l'audit général du fichier. Cela a consisté à mettre en œuvre une activité qui consiste à distribuer des fiches d'identification individuelle de chaque électeur dans la base de données. Les 6 millions et quelques personnes qui sont dans la base de données sur l'étendue du territoire ont reçu leurs fiches d'identification. D'accord. Donc, dans cette première phase, nous avons eu cette identification. Après les avoir identifiés, après avoir donné des fiches d'identification à chacun, nous avons su parmi nos électeurs combien sont décédés, combien se sont déplacés, combien ont des problèmes d'empreinte digitale, combien avaient des problèmes dans leur nom alphanumérique. Donc, avant le début de l'enrôlement, avec les machines, vous avez envoyé les gens sur le terrain. Pendant 15 jours. Dans les familles, les ménages. Pendant 15 jours, nous avons programmé les KL à être dans les ménages. D'accord. Approcher les électeurs, identifier les électeurs individuellement. Et définir et stigmatiser leurs problèmes. Savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté dans la base de données. Ceux qui avaient des empreintes manquantes ont été identifiés. Ceux qui avaient des problèmes dans leur nom, dans leur filiation, ont été identifiés. Ceux qui sont décédés ont été identifiés. Donc cela a consisté. Mais quand il y a eu glissement du 28 décembre au 16 février, nous avons également obtenu plus de temps pour l'identification. Avec les fiches. Nous avons fait presque un mois d'identification. Pour ceux qui disent aujourd'hui il faut rallonger, il faut qu'on sache que nous avons fait plus d'un mois, presque un mois d'identification. Ensuite, nous sommes allés à la phase d'enrôlement, qui est de 25 jours. Nous avons commencé, certes avec quelques difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes assez satisfait de ces résultats. Je vais vous dire quelque chose d'inédit, que je n'ai dit nulle part. Des données brutes que nous sont remontées font plus de 4 500 000 personnes dans la base de données. D'accord. Voilà. 4 millions... Oui, touchés. 4 millions
500 000 personnes touchées. D'accord. Et cela ne tient pas compte des résultats de vendredi, samedi, dimanche et ce lundi. Donc il y a une hausse observée, hein, en termes d'électorat. Non, en termes de personnes recensées, en termes de personnes touchées par les agents recenseurs, en termes de personnes enrôlées. Parce que habituellement, vous avez 800 000. D'accord. Que Gemarto, par exemple, a touché 800 000 personnes. En son temps. Pendant 8 mois que Sagem a fait son enrôlement, il n'a pas touché 1 500 000 personnes. D'accord. Vous comprenez que c'est une avancée. Bien. Dans la mesure où nous avons doublé les capacités de la CENI en termes de machines d'enrôlement. Bien. De 2000, nous sommes passés à 4000 pratiquement. Machines. Dont 3780 et quelques étaient effectivement sur le terrain. Bien. Alors, le nombre de CAER, de commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, ont doublé. Donc, nous pensons que le travail est en train d'être bien fait. Alors, vous avez décidé, ou sinon vous avez informé, effectivement, la date qui a été annoncée pour l'enrôlement des électeurs est arrivée à terme. Aujourd'hui, 16 décembre, on s'arrête là, on ne va pas au-delà. Alors, il y a des inquiétudes ou il y a des... on va dire des commentaires, des gens qui disent que non, certains n'ont pas pu se faire recenser ici à Conakry comme à l'intérieur, je veux dire comme à l'extérieur, de, en dehors de notre pays, par exemple le Sénégal, où il y a eu des incidents. Donc est-ce que eux, ils ne pourront pas voter pour ces élections législatives? On ne sait pas pour la présidentielle. Alors oui, est-ce que ça veut dire que si ces entités, enfin partout où les gens n'ont pas pu, c'est fini, on s'arrête là, mais on a une marge importante d'électeurs déjà recensés? Ou est-ce qu'il y a une marge, une possibilité? La base de données existante est déjà là. D'accord. Cette fois-ci, nous sommes passés de 18 pays à 25 pays. Malheureusement, dans certains pays, à cause de certains agissements, la révision n'a pas pu avoir lieu. Comme au Sénégal. Où il y a eu des violences suite à une mauvaise information qui a été distribuée à nos compatriotes. En Angola, c'est les autorités angolaises qui disent plus jamais qu'il n'y aurait d'activité politique guinéenne sur leur territoire, suite à des violences qui se sont déroulées en 2015. D'accord, Angola. En Angola. Donc, dans ces cas-là, nous nous concentrons de ce que nous avons dans la base sans difficulté, et nous sommes obligés d'aller avec cette base-là. D'accord. Il est encore une fois pas possible de réaliser ces choses-là sur le territoire d'autrui quand vous n'avez pas d'autorisation de le faire. À la suite des incidents arrivés à l'ambassade, les autorités sécuritaires sénégalaises n'ont pas voulu renouveler. D'accord. N'ont pas voulu qu'on continue. Donc il n'y a pas eu de possibilité de reprise des opérations. Nous avons mené des démarches, pas directement à travers... nous avons des relations avec les chargés des élections au Sénégal, mais nous avons mené des démarches, nous avons envoyé un nouveau chargé des questions électorales au Sénégal, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est fini avant qu'il ne puisse résoudre les problèmes avec les autorités. Mais qu'est-ce qui a exactement causé ce problème à Dakar, par exemple? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas été bien informés sur quel aspect? Non, les gens n'ont pas été bien informés par notre délégation qui est allée au Sénégal. Je voudrais m'en tenir là parce que j'aurais voulu débattre de ça en plénière avec l'ensemble des commissaires pour tirer les conclusions avant d'aller dans la presse. Mais je préfère que ça soit discuté. Donc c'est la mauvaise information qui a été donnée. C'est une mauvaise information qui a circulé au niveau de nos compatriotes au Sénégal qui a mis le feu aux poudres et qui a amené les violences. Bien. Et des violences ont découlé qu'on n'a pas pu faire le travail là-bas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de près de 4 millions de personnes qui ont été touchées. Il y a certaines zones que vos partenaires politiques indexent comme quoi il y aurait une maximisation qu'on ne comprend pas, notamment à Siguiri où ils parlent de près d'un million de personnes enrôlées et qu'en réalité le potentiel d'électeurs ne devrait pas
arrivé à plus de 500 000 ou même 400 000 personnes. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que c'est des allégations, c'est des rumeurs? Mon cher, aucune donnée n'a été consolidée d'abord au site central. Mais il n'y a aucune préfecture dans notre pays qui peut à elle seule régorger 1 million d'électeurs. Donc c'est, non, c'est des rumeurs. Ça, c'est des choses sur lesquelles je n'aimerais pas et je ne commande pas les rumeurs. Bien. Et si on parlait maintenant de ce qui est arrivé tout au long du processus de recensement, il a commencé, je ne sais pas si je me trompe sur la date, le 16 décembre. Et au début, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des problèmes à l'allumage. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes liés aux machines qui s'éteignaient. Il y a eu aussi des ruptures en récépissé, des ruptures en fiches d'inscription. Et qu'est-ce qui a expliqué ces problèmes-là? Et après, est-ce que vous avez pu les résoudre en fin de compte? Manque de récépissé, manque de fiches d'inscription, et puis même les problèmes de primes liés aux agents recenseurs, mais aussi à certains membres des KRL. S'il y a là qui ont bloqué les opérations à un moment donné pour des problèmes d'argent. Oui, vous savez, quand vous entreprenez un travail comme le nôtre, qui est assez compliqué et dont vous utilisez des technologies assez récentes, vous vous attendez toujours à des difficultés de démarrage. Et cela a été calculé à notre niveau. Nous savions qu'on allait avoir ces problèmes. Pour avoir participé à plusieurs révisions des listes, à plusieurs utilisations de machines. Les machines que nous avons utilisées, c'est des machines assez nouvelles, qui ont été conçues pour la Guinée parce que les recommandations allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est des machines qui ont été conçues en tenant compte des recommandations de l'audit du fichier. Donc c'est des machines avec un environnement Android assez simple d'utilisation, dont les jeunes opérateurs sont tous habitués parce que celui qui a utilisé le téléphone peut facilement utiliser les machines. Donc, nous avons envoyé ces machines-là. Nous nous attendions à des difficultés de démarrage. Mais quand cela a démarré, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous mettons en étude ces choses-là avec de grands professionnels, avec de grands spécialistes, avant l'opérationnalisation sur le terrain. On nous a remonté que les 3 millions de récépissés qui sont partis sur le terrain étaient en rupture. Aussitôt. Mais les données qui nous sont remontées ne faisaient même pas 500 000 personnes. On se demande, mais attends. Donc, vous avez envoyé 3 000 récépissés. 3 millions de 3 récépissés millions. D'un coup. 3 millions de récépissés. Sur le terrain. Aux quatre coins de la Guinée. Aux quatre coins de la Guinée et à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord. On nous a remonté en moins de 500 000 enrôlés, que les récépissés étaient en rupture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On se le demande. Il y a des récépissés. Mais nous savions qu'il ne pouvait pas y avoir de manque de récépissés. Étant donné qu'il n'y a pas 3 millions d'enrôlés. À 2 700 000 enrôlés, on me dit que les récépissés manquent, je suis d'accord. D'accord. Ils peuvent avoir de mauvaises manipulations, mais à moins de 500 000 enrôlés, on me dit que 3 millions de récépissés. Donc il y a 2 500 000. La CENI a pris sur elle de demander, puisque le système était conçu pour ça, de continuer sans délivrance de récépissés. D'accord. Tout de suite, à mains endroits, les récépissés ont commencé à venir. À réapparaître. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons injecté dans le système 2 autres millions. De récépissés. Que la CENI a commandé. L'ardeur de ceux qui pensent que les récépissés pouvaient manquer. Mais n'empêche que la période dite qu'ils ont manqué de récépissés, les récépissés ont continué, et le recensement a continué, le plus bel. Sans délivrance de récépissés. Ce qui ne joue en rien sur quoi que ce soit sur le système. D'accord. Mais il y avait le manque de fiches d'inscription. Il y en a qui disaient qu'on donnait des fiches de décès pour que les gens remplissent tout oui, ça. Oui, c'est ce qui s'est dit. En réalité, cela n'a existé nulle part. C'est après avoir usé de cette voie pour pouvoir bloquer l'enrôlement qu'on a commencé à utiliser les jeunes dans les cadres pour réclamer de l'argent. D'accord.
Donc le problème de récépissé a été résolu aussitôt. On va dire que ça n'a pas impacté véritablement le travail parce que effectivement même pas sans récépissé, on enrôle à la même endroit après la période d'enrôlement. Allez-y dans les cales, vous trouverez les récépissés vierges. Ouais. Parce qu'ils ne l'ont pas donné. Donc est-ce que vous voulez dire clairement qu'il y a eu une mauvaise intention? Il y a une mauvaise intention, de cacher. Il y a une main noire derrière tout ça. Bien. Mais ça a toujours été le cas. Bien. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, ces personnes-là. Mais il y a toujours une main noire. Et donc, ceux-là qui, entre-temps, ont été recensés sans avoir les récépissés, peuvent aller récupérer leur carte d'électeur. Ils peuvent récupérer leur carte d'électeur le moment venu, parce que nous avons toutes les données là-dessus. Nous avons la photo de la personne, nous avons l'empreinte de la personne, nous avons la filiation de la personne. Donc, rien ne l'empêche de récupérer sa carte d'électeur le moment venu. Bien. Mais ce que je voulais vous dire... La fausse disparition des fiches, la fausse rupture des récépissés tient d'une logique qui continue. N'est-ce pas? On le craint, oui. Qui vise à quoi? Oui, parce saboter que le processus. Après, on a utilisé les jeunes issus des partis politiques. Pour les primes, justement, c'est là où... Utiliser les jeunes issus des partis politiques pour réclamer des primes. Des soi-disant primes que la CENI devrait. Certains sont allés même à demander des contrats pour les CAIR, les membres des CAIR. Le CAIR, c'est prévu, c'est une construction de la loi. C'est la commission d'établissement et de révision des listes électorales. Ces membres sont choisis parmi les membres des partis politiques d'opposition qui donnent un membre dans chaque CAIR. Mouvance, un membre dans chaque carte. Administration, un membre dans chaque carte. Société civile, un membre. La CENI donne un autre membre. Ça fait 5 personnes. Mais ces gens-là ne sont pas des gens qu'on mute, on affecte n'importe comment. C'est des gens du quartier qui sont dans leur secteur, qui ont une certaine connaissance de l'assise du quartier et de leur secteur, qu'on prend pour filtrer ceux qui sont chargés de passer devant l'agent de recensement. D'accord. Mais quand tu vas prendre un jeune qui est à la recherche de son premier emploi, à Bissia, tu l'amènes à Coléa, ou tu l'amènes à Landrea, comme membre de CARL, il ne connaît pas le en quartier. En tant que représentant de votre parti, il ne peut pas reconnaître un individu. Il ne connaît pas, il ne peut pas filtrer, il ne peut pas jouer son rôle. Bien. Et il va exiger son transport, il va exiger son manger, son aliment. Alors que nulle part dans notre process, il n'est prévu de payer les membres des CAIR. Par la CENI. Par la CENI. C'est les partis qui les ont indiqués, qui les ont envoyés là, qui doivent prendre leur charge. D'accord. Nous nous donnons des petites primes pour pouvoir acheter du thé, acheter du café, par-ci, par-là. Voilà. Mais pas leur salaire. On n'a pas de contrat avec eux. Ils n'ont pas de salaire à réclamer à notre niveau. Donc ces gens-là ont été mal informés s'ils pensaient que la CENI devait les payer ou avoir un contrat avec eux. Ils ont été mal informés, mais on les a manipulés. Seulement, ce sont les agents opérateurs, là, les agents de saisie que la CENI prend en charge. Seulement eux. Même pas. Ah, même. Même pas eux. La CENI prend en charge ses démembrements. D'accord. La CENI a partiellement pris ce qu'on peut appeler, entre guillemets, je l'ai dit tout de suite, le prix de cola qu'on a donné aux membres des CAIR, qui n'était pas prévu dans notre budget pour être payé. Mais les démembrements, quant à eux, nous les prenons en charge. Yeah. Les opérateurs de saisie, les superviseurs ou les coordonnateurs sont pris en charge par la société locale et qui le fait bien. D'accord, c'est-à-dire ETI. ETI, bien. D'accord. C'est clair. Donc, on va observer une petite pause justement dans cette émission rapidement. Nous revenons dans la deuxième partie de Café Débat pour continuer à parler du processus électoral et de tout ce qui est en train de se passer en vue des élections du 16 février 2020.
Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité Maître Salif Kébé, président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, je l'ai dit, il a animé une conférence de presse aujourd'hui devant l'ensemble des médias privés et publics et étrangers, bien sûr, pour parler dans l'ensemble sur le processus jusqu'à date. Est-ce que les recensements vont continuer au-delà d'aujourd'hui? C'est arrivé à terme, il n'y a pas de rallonge en vue. Il vient de le reconfirmer. Eh bien, si vous voulez, je lui poserai la question encore à la dernière minute, puisque beaucoup tiennent à cette question. Mais on a parlé de rupture des récépissés et fiches d'inscription. Il a expliqué comment c'est arrivé et peut-être qu'est-ce qui est en train d'être fait pour savoir quels sont ceux de mauvaise foi qui auraient donc caché ces récépissés. Toujours est-il que cela n'a pas, de façon négative, impacté l'enrôlement des électeurs. Alors, en termes de chiffres, est-ce que vous confirmez une fois encore que nous avons, en tout cas, les chiffres bruts? 4 millions de personnes atteintes. En données brutes, nous avons dépassé le seuil de 4 500 000 personnes. Personne. Voilà. Alors, la question d'enrôlement des mineurs, ça a fait aussi beaucoup de débats sur la toile, les réseaux sociaux, certains sites aussi l'ont relayé, on dit que les machines ont laissé enregistrer des mineurs qui ne devraient pas. On indexe des zones, vos partenaires politiques, l'opposition indexe les bastions de la mouvance, la mouvance indexe les bastions de l'opposition. Est-ce que vous vous êtes saisi de cette question d'enrôlement des mineurs? Si ça a existé, comment vous comptez les résoudre? Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup de débats autour de cette question. Mm-hmm. Mais avant de lancer les opérations, au moment de l'acquisition, de la conception même de l'architecture de notre logiciel, nous avons veillé à cette question de mineurs. En 2010, c'était venu, ça s'est invité au débat. Mm-hmm. En 2013, au législatif, ça s'est invité au débat. Mm-hmm. En 2015, ça s'est invité au débat. Mm-hmm. Tout le monde accusait tout le monde d'avoir fait enrôler des mineurs en ce qui concerne les mineurs. Mm-hmm. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas rester les bras croisés, puisqu'aujourd'hui, il est possible de détecter une personne à partir de son âge. À travers un logiciel, nous avons fait l'acquisition de logiciel. Mmh. Nous avons acquis le logiciel. Puisque souvent les cadres où les partis politiques sont représentés, la mouvance et de l'opposition, où la société civile et l'administration sont représentés, ne font pas souvent leur rôle. Donc nous nous sommes dit, le logiciel qui est une machine va faire son travail. Mmh. Si un mineur arrive à tromper tout ce monde, qui vient avec une carte d'identité où il est mis Sekou Diallo, 18 ans, c'est-à-dire qu'on a dit à l'agent que si il a une carte qui dit qu'il a 18 ans, tu l'enrôles. Mais s'il passe devant la machine dira non, cette personne n'a pas 18 ans. À travers les empreintes et à travers toutes ces données. Mmh. Tout de suite sur place ou bien a posteriori? Non, cela se fait opérationnellement. C'est-à-dire que nous sommes en train d'engranger l'ensemble de toutes les données. Une fois ce traitement fait, on procède au dédoublonnage. D'accord. On dédoublonne, ensuite on lance le moteur qui permet de capter chaque mineur. Cela ne prend pas de temps. Et mais cela ne devait pas se faire, je veux dire, sur place, là-bas où le mineur venait. Parce qu'il y a les gens qui disent, pourquoi la machine n'a pas attrapé les mineurs là-bas sur place? Non, c'est des logiciels, en français facile. C'est des logiciels assez lourds, c'est bien conçu, qui s'installent sur des serveurs. D'accord. C'est pas sur des machines avec 2 gigas, 3 gigas qu'on peut installer ces logiciels-là. Mm-hmm. C'est sûr. Le serveur central que le logiciel est installé et ça décrypte à partir de là. Donc ce moment viendra où on va extirper... Tout de suite, dès après. Nous sommes dans le process maintenant. D'accord. Nous sommes dans le process. C'est important que vous éclaircissiez quand même les zones d'hommes sur cela. Oui. Ce que vous dites, c'est que ces mineurs-là, même quand ils ont été recensés, on va les extirper du fichier. D'abord, monsieur Ouri, je vais vous dire que sincèrement... Même s'il y a eu des cas de mineurs, je ne pense pas qu'ils soient légion, comme on l'a prétendu
Que l'échantillon soit assez... Cela s'est passé en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, que ce soit des milliers de mineurs qu'on a engagés. Non. Je pense que c'est des cas tellement minimes que ça devient négligeable. Mais nous ne les laisserons pas dans la base. D'accord. Mais nous ne les laisserons pas dans la base, ils seront extirpés. En même temps, est-ce que les partis politiques, parce que vous avez sorti un communiqué entre-temps pour dire si les partis politiques à travers les représentants dans les KR constatent ça, qu'ils donnent les références des KR, les preuves à l'appui. Est-ce qu'il y a eu au moins une seule plainte venant d'un tel parti politique concernant ces cas? Pas un seul cas n'a été dénoncé par un quelconque parti politique. Avec les preuves? Pas une seule fois. Bien. Ça s'est limité sur les réseaux sociaux. Puisqu'on a des amis dans tous les partis, ils nous envoient dans les coupures de journaux ou bien les publications des réseaux pour nous dire voici les photos. Mais parmi les photos, j'ai vu des photos de 2013, de 2015. Des mineurs de 2013? Oh oui, bien sûr. Non. Des photos qu'on nous avait exhibées en 2015. 2015, ok. On est carrément allé dans des cours de récréation photographier un ensemble d'enfants pour dire voici les enfants qu'on a vus se faire enrôler dans tel endroit de la République. D'accord. C'est exagéré. Bien. Alors donc, la garantie est donnée. S'il y a eu effectivement des cas de mineurs enrôlés dans les machines de recensement, a posteriori, ça va être extirpé dans le processus puisque le logiciel est programmé pour cela. Et il faut rappeler que dans la CENI, bien sûr, que toutes les entités politiques sont représentées, mais ces représentants s'y connaissent, on peut dire, au moins en matière informatique. Donc, on ne peut pas les berner. Alors, le dernier sujet, c'est peut-être la tenabilité de la date du 16 février 2020. Est-ce que effectivement la date sera tenue? Vous avez sorti un communiqué récemment demandant aux gens de déposer les candidatures. Est-ce que ça a commencé? Et on a par exemple un politique comme Faya, Milimono et d'autres qui disent que cette date est trop short, elle ne pourra pas tenir pour que les gens déposent leur candidature. Comment cela se passe aujourd'hui? Mais c'est la loi. C'est la loi, ce n'est pas nous. Cette partie est encadrée par la loi. D'accord. Ce n'est pas, nous n'avons rien inventé, nous qu'à lire le code. Nous nous facilitons le dépôt de candidature, nous nous organisons de telle sorte que cela soit facilité pour les acteurs. Mais pour qui va loin, ménage son cheval. Est-ce que les gens ont commencé déjà? Non, la période n'est pas encore ouverte. Nous avons installé la commission. La commission est en train de donner des informations aux partis politiques qui veulent avoir des informations, donner des guides, expliquer ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, mais indiquer également qu'ils peuvent aussi trouver un mandataire, sans que tous les candidats ne se déplacent, et trouver un mandataire qui va être l'interlocuteur de la commission. Mais le 18, là, le dépôt est ouvert. Le 18 décembre, donc pratiquement après demain. Je disais, est-ce que la date du 16 va effectivement tenir? Jusqu'à preuve du contraire, ça va tenir. Nous pensons que notre chronogramme est tenable. Nous pensons que tout va être mis en œuvre, et à notre niveau, et au niveau du gouvernement, pour que cette date soit tenue. En ce qui concerne la CENI, techniquement, elle est fin prête pour l'organisation de cette élection. Et j'ai dit, est-ce que le 16 février va tenir? Vous dites oui. Et pourquoi les propositions de date font souvent polémique au sortir de la retraite de Kindia? Vous avez sorti un chronogramme de 200 et quelques jours. Après, on a fixé la date du 28 décembre. Ça a créé beaucoup de débats, de polémiques. Ouais, c'est Alpha Condé qui lui a proposé la date. Et puis, vous avez proposé le 16 février maintenant. Il y a même certains qui disent aussi que ça, c'est pas réaliste. Selon vous, qu'est-ce qui crée tous ces... Est-ce que c'est naturellement lié au processus électoral qu'il y a toujours eu des polémiques autour des dates? Bon, le processus électoral est concentrer un ensemble d'intérêts. C'est un centre d'intérêt qui intéresse beaucoup de gens. Donc, cela dit, les polémiques viennent de là, mais c'est inhérent également à la chose politique. Les discussions, les débats politiques vont dans tous les sens dans ces cas-là. Mais quand un groupe d'hommes qui ont appris un certain nombre de choses, qui ont été aidés par des spécialistes pour établir un programme, quand ils disent qu'ils peuvent tenir le programme, sauf un fait extérieur à la CENI, sinon cette date-là, nous irons aux élections. C'est seulement des questions qui sont extérieures à la CENI qui peuvent l'empêcher. Instabilité politique, instabilité manque politique, de moyens, manque de ressources, surtout. De ressources.
qui peuvent faire que la CENI ne puisse pas aller à ces élections-là. Sinon, il n'y a rien à faire. Alors, attardons-nous un peu sur la question de moyens. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas proches de la CENI, les jeunes, les populations, tout simplement, qui ne connaissent pas la chose, quand ils voient les politiciens dénoncer, se disent que vous êtes responsable de tout ce qui ne va pas. Même les questions de moyens. Est-ce que vous voulez dire que la CENI n'est pas dotée de l'ensemble de tous ces moyens à disposition pour dérouler le processus de phase en phase? Et qu'est-ce qui pose cette affaire de manque de ressources financières? Est-ce que c'est le gouvernement qui va tout financer ou est-ce qu'il y a des aides des partenaires comme on l'a vu au cours de certaines élections du passé? Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui l'a financé. Mmh. Et jusqu'à présent, nous avons reçu les financements, notre budget, les parts de budget qui ont nécessité ces travaux-là. Mais aujourd'hui, il nous reste une bonne partie qui va nous mener jusqu'au scrutin qui est, nous n'avons pas encore. Ces moyens ne sont pas disponibles. Ces moyens ne sont pas disponibles au niveau de la CENI. Mmh. Au niveau de la CENI. Ces moyens n'ont pas été remis à la CENI ou sur le compte de la CENI. Alors, c'est comme vous avez parlé des facteurs extérieurs qui peuvent impacter le processus, ce genre de retard peut faire que si en planification, il y a une période de 5 jours pour telle activité qui est prévue et que les moyens n'ont pas été remis à la CENI, ça peut causer des problèmes, non, n'est-ce pas, dans le processus? Bien sûr. Bien. Bien sûr, c'est une planification. Alors, la CENI n'a pas de moyens non plus pour mettre la pression, pour avoir ces moyens. Il faut juste attendre que le ministre du Budget décide de donner. Moyens de pression, nous ne sommes pas un groupe de pression. Nous sommes un groupe technique qui est chargé d'un travail technique. Alors, les politiques qui vous attaquent toujours, vous ne faites pas ça, vous ne respectez pas les délais. Est-ce que eux aussi, vous pensez qu'ils ont le devoir de vous aider à mettre la pression pour que la CENI ait les moyens afin de faire les choses à temps? Je pense que chacun doit jouer son rôle. Voilà. Les politiques, ils jouent leur rôle. La CENI joue son rôle. Moi, président Québec, je joue mon rôle. Voilà. On tient ça. Pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, ce processus électoral déchaîne des passions. Ça suscite beaucoup de débats, des critiques. Mais vous le savez, sous le feu de critiques, c'est bien sûr la CENI. Et c'est bien sûr le moment, puisqu'on est en période électorale. Alors, en 30 secondes ou en une minute tout au plus, qu'est-ce que vous avez à dire à ces électeurs? Mais avant, je repose la question, parce que ça tient beaucoup à cœur aux gens. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une sorte de rallonge pour ceux, une sorte de dernière chance donnée à ceux qui ne se sont pas accourus pour venir s'enrôler? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là d'ici le 16 février ou est-ce que cette fenêtre n'existe plus jusqu'au 16 février pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler jusqu'à ce lundi 16 décembre? D'abord, jusqu'à présent, jusque là où nous sommes, il est 16h, 10 minutes, la période d'enrôlement n'est pas terminée. D'accord. Les gens continuent à aller se faire enrôler. Aujourd'hui, à 0h, la période définie pour l'enrôlement est terminée. D'accord. Dans les prévisions de la CENI, il n'y a pas eu de saisine au niveau de la CENI pour ce que. Mais je parle en mettant cela en réserve parce que nous ne sommes pas encore réunis en plénière. D'accord. La plénière évoque beaucoup de sujets, dont entre autres cette possibilité. D'accord. Mais je vous signale également que pour aller rallonger la période d'enrôlement, il faut que nous échangeons avec les acteurs politiques, si la demande n'émane pas d'eux, que nous échangeons avec le gouvernement, parce qu'il y a un aspect de prise en charge financière qu'il faudrait étudier. Et que nous discutons entre commissaires pour voir combien de temps nous pouvons mettre ensemble. Tout cela réuni me fait que cette question n'a pas été officiellement posée encore et elle n'a pas été débattue. C'est clair. Et comme je l'ai dit, message dernier de la fin pour rassurer les uns et les autres que la CENI fait ce qu'elle peut pour que ce soit un processus transparent, clair, jusqu'au 16 février, en 30 secondes. Oui, je dis à mes compatriotes que la CENI est une institution assez responsable, composée de commissaires responsables qui sont en train de se battre. Ce n'est pas facile, mais nous aboutirons à un résultat dont eux-mêmes seront satisfaits. Je vous les rassure. Bien.
Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un processus, ça veut dire que ça continue. Bien sûr que nous aurons sans doute le temps et l'opportunité de revenir à la rencontre de monsieur le président de la CENI, M. Salif Kébé, pour d'autres informations, d'autres explications, parce que c'est la pédagogie donc qui s'applique à ce processus-là. Merci de nous avoir reçus, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous, merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir servi aujourd'hui. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.